PK, canal la pap kapé, ce slogan ça nous tende par ci et par là. Mesdames et messieurs, boss kap travail sous canal là, yo pa kon la journée, yo pa kon la nuit, yo pa kon soleil chaud, yo pa kon la pli, ce travail y a travail pour canal là lui-même. Li capable fini. Depuis la crise a éclaté entre République Dominicaine ensemble avec Haïti, mesdames et messieurs, plus passé 60 000 Haïtiens quittaient volontairement République Dominicaine durant dernier jour sa yo. Une situation qui vraiment compliquée pour moun Dominicain yo côté construction yo a souffri en pile et commerce la apprend en pile coup. Nous prenons tout détail dans un petit temps qui pas trop long. Moun yo pa arrivé identifié, assassiné mardi soir, maître Québec Jean, substitut commissaire gouvernement, mis en balaya. Qui Jean sa fait fête, tout détail, non titan qui pas trop long. En pile coup de balle chanté dans la saline, aïe, mesdames et messieurs. Division, nan mitan estricti vivent ensemble. La plaine choc ouvert lampe aïe. Je ne fon pack pack après le mot chef gang Tyson nan douyar. Nous pral tade qui sa qui a passé en de pays d'Haïti. Bois galé approche nan sodo ak mirbalè. Plus passe 4 bandits arrivé tombé en bas mes populations nan sodo. Alors que nan mi balè, 17 lots arrivé prend bois calé et assassiné, tué bien sûr pardon par la police nationale d'Haïti. Eh bien, nan moment n'a parlé là, gagné OEA qui fouille bouche li nan dossier canal là, mesdames et messieurs, côté li prépare tête li comme intervenant pour gérer problème ça entre République Dominicaine ensemble avec Haïti. Information yo ap mené nous nan international la, mesdames et messieurs, côté président Joe Biden lui-même li déplacé pour le participer ensemble avec grève yo et même arrivé prend la parole. C'est pour première fois un président américain a rejoindre moun qui a fait grève. Donald Trump, pas bon côté parle, dans une situation qui est assez compliquée. Mesdames et messieurs, côté la justice continue à marcher sous fiel ancien président républicain. Nous pourrons suivre un reportage tout à l'heure comme ça. Information a mené nous en Afrique, spécifiquement à Burkina Faso. Mesdames et messieurs, côté population, lui-même, lui continue à agoniser. Junte militaire là, continue à faire travail. N'a pas sorti en Afrique pour nous capables d'aller au Canada. Au Canada, eh bien, chef président Chambre commerce a obligé de démissionner après passage Volodymyr Zelensky avec un discours que président, en fait, premier ministre canadien Justin Trudeau te jugé qui pas de place. Nous prenons tout détail ça yo. Non, un titan qui pas trop long. Mesdames et messieurs, bonjour, bienvenue sur plateforme Paola. Non, Pam, c'est Fabiola Jean-Charles et c'est un plaisir pour nous capables de porter rubrique information Sabaou. Bien avant nous aller plus loin après temps, pour nous dire merci ensemble avec vous-même qui like, qui commente, qui partage vidéo nous yo. Merci ensemble avec vous-même qui toujours invite yon moun qui dans entourage ou abonné ensemble avec plateforme si là, puis capable toujours être connecté avec bon information. Jeudi à ce jeudi 28 septembre 2023. Sans nous pas tarder, nous avons commencé directement ensemble avec information. Yo. Mesdames et messieurs, il y a un nouveau strict politique qui mettait sous pied en dans le pays d'Haïti, qui porte nom debout haïtien, qui est en tête li, ancien ministre de justice, Luc Man Delisle. Côté nous prenons le temps de déclaration, Kounyala. Et c'est là toute institution. Yo. Pral démanteler, nous pral gon gros institution, malheureusement, et qui pral disparaître, c'est les forces armées d'Haïti. Nous, deux plus gros institutions de dans le pays, hein. C'était l'Église catholique et l'armée. Deux institutions, à noter bien, c'est fondé Haïti. Dans les pays, c'est lorsque le film prend l'indépendance, et nous pral former l'armée. L'église de toute confession de foi, mais l'église catholique et les forces armées d'Haïti, c'est eux qui sont les fondatrices de la République d'Haïti. Et malheureusement, quand l'armée renvoie tout personnel militaire, et on pourra l'assister à l'effondrement
de la République d'Haïti. Tout appareil de la structure de la sécurité publique d'Haïti va l'éclater. Et Jean Proverbe Créole l'a dit, je vous ferai la tombée dans le bas, je le pourri. Et c'est ça, nous allons le payer là. Et au lieu de dépantèlement les forces armées, ce serait mieux de professionnaliser l'armée. Mais malheureusement, les gens qui l'ont agi par la haine et l'émotion. Et on dit que l'émotion et la haine ne sont pas toujours de bonnes conseillères. Et c'est ça le pays là. Donc, nous assistons à un pays fragmenté, un pays démantelé. C'est vrai qu'avant Dr. Ariel Henry, tu es arrivé au pouvoir, tu as toujours des problèmes de sécurité. Mais quand on y a là, nous ne pouvons pas continuer pour nous encore. Donc, nous n'avons pas assisté avec chef de gang dans chaque coin du pays. Avant, c'est Port-au-Prince. Quelques zones, c'est le Matissabal a commencé. Mais quand on y a là, c'est tout le pays qui est contaminé. Pour l'Ouest, même papa de Missabem, lui, monsieur est tellement à l'aise et il a progressé quand il a ses pauvres. Est-ce que nous avons une situation comme ça? Non. Et ça fait debout, citoyens, pour le rapatriement de la souveraineté nationale, nous gagnons plusieurs mois. Depuis, nous avons fait des réflexions et avec des compatriotes, tant que monsieur le moine Bono, et ancien sénateur français Denis, qui sont parlé là, et ancien DG Slom Raymond, professeur Jean-Renaud Jean-Pierre, Maître Gélem, Barbara, je ne vais pas me changer tout, Lisa parle même là, mais pour ne pas faire des jaloux, elle, c'est lui, Maître Pétion, Mimien. Tout ça, nous avons des mois et plus que 9 mois depuis émettre des réflexions. Et Jean-François a dit du choc des idées, j'ai eu la lumière. Maintenant, jour arrivé, nous dit que nous pas qu'à arrêter de mourir couché. Il faut que nous fassions des choses, il faut que nous soyons debout. Et à ce moment-là, bon slogan dit ça, l'Assemblée, l'Assemblée, nous avons des gens qui là, ce n'est pas des gens qui ont cité dans le scandale voler l'argent de l'État. Citoyens sont cités là. Ce n'est pas des gens qui ont un rapport de près, de loin, de très très loin avec des terroristes criminels qui détruisent le pays, qui ont fait de l'eau, l'anger, maman et papa petit. Et nous n'avons aucun rapport avec les gens. Et c'est ça qui fait un printemps. Nous disons que pour nous associer au groupement, ça, c'est des partis, des associations, genre sénateur, ce dit là. C'est des gens qui semblent avec nous, non, ils ne pas considérer la mauvaise bagaille. Ce n'est pas des gens qui ont drogue, qui ont vendu des armes illégales, le trafic d'organes, qui ont mauvais deal, parce que le pays a souffert trop. Au moins, il faut montrer les étrangers à des gens dans le pays. Ils prennent la majorité haïtien pour vagabond et ils ont des bons gens. Ce n'est pas des gens qui ont le temps de la sanction internationale, soit pour supporter gang, terroristes. Voler ça, qui empêche les gens de vivre dans le pays. Donc, à ce moment-là, nous mettons ensemble pour nous qui ça nous a fait enfin, parce que le pays. Voilà, mesdames et messieurs, déclaration ancien ministre de la Justice, Luc Man de Lille, dans lancement Escrixi, qui portait nom Debout Haïtien. 61 000 Haïtiens quittent volontairement la République Dominicaine pour venir installer en Haïti plus passer 10 jours après frontière fermée par le président dominicain Luis Abinader. C'est ça que corps spécialisé pour sécurité frontière terrestre. C'est ce front qui est arrivé, publié dans une statistique mardi qui sort passé là. Mesdames et messieurs, individus armés n'ont pas arrivé identifié, assassiné maître Québec Jean, substitut commissaire gouvernement Mirbalea, magistrat joigne Lamol, la Cali en pleine. C'est ça, journaliste Peggy Jean arrivé, rapporté, mesdames et messieurs, vers les 10h du soir. Eh bien, journaliste, en fait, substitut commissaire lui-même, li tapral mouri assassiné en babal bandi, yo pa arrivé identifié. Mouvement Boakale a pran chen nan Sodo ak Mibale. 4 individus armés arrivé tombé en babal nan Sodo, mesdames et messieurs, en babal halkwello. 4 individus arrivé pran Boakale boule en bas mes population qui se groupe armé ISO. 17 arrivé près Boakale et la police stoppé kek la dan yo nan Mibale et 8 tombé en babal Cité Soleil après discussion yo ensemble avec chef gang yo. Mesdames et messieurs, c'est Mathias qui réalisait qualité victoire ça nan mitan moun sa yo. Division
nan mitan estrikti, vive ensemble. La plaine te chaud couvelop. Mesdames et messieurs, Genève de Pacha, pack en pack, après la mort chef gang Tyson. Tout vive ensemble, voltige, nan moment n'a cherché là, nous pas kawel. Chez méchant babo kote, krasé à coup de balle, yon bas ki pote non, gâte ça, qui te dans les bouts ak fouji, nan plein nan, qui te sous commande Iska. Nan moment n'a écrit, n'a parlé là, population qui habite nan plein nan, sous gros attention. C'est ti paquet qui apparaît pour moun chape pou yo, tellement gang yo en colère, youn kote lot, youn ap déchire lot, alors que te genye vive ensemble. En pile coup de balle chanté, dans la saline tout, mesdames et messieurs, ayer 27 septembre 2023, côté chef gang révolutionnaire. Genève en famille et allié, main youn main tout, Jimmy Cherizier, manke kite Paul. Nan moment n'a pas lien là, tout vive ensemble volé. Pas gen vive ensemble encore, c'est chirepit, c'est chien manger chien qui gagne entre groupes armés en dan pays d'Haïti. Information nous a continué ensemble avec OEA, mesdames et messieurs, qui décide de fouiller bouche dans le conflit entre République Dominicaine ensemble avec Haïti. Sous ça qui gagne Awe, avec canal qui a construit sous rivière Massacre. Nous prenons le communiqué de presse OEA lui-même, lui arrive mette dehors, mesdames et messieurs, pour capable prendre position dans ce sujet-ci. N'a avancé. Mais qui ça nota lui-même lui dit? Le secrétariat général de l'Organisation des États américains, OEA, a engagé des consultations avec les autorités d'Haïti et de la République dominicaine au sujet du différent frontalier relatif à la construction de canals sur la rivière Massacre, également connue sous le nom de Dabon. Il est largement reconnu qu'Haïti et la République dominicaine détiennent les mêmes droits d'utilisation sur cette rivière. Les ressources hydriques de la rivière sont essentielles pour les deux pays. Et vu les besoins de leurs habitants, particulièrement dans le contexte de sécheresse actuelle, l'utilisation de ces ressources doit se faire conformément au droit international et aux traités en vigueur entre les deux nations. Nous sommes convaincus que chaque partie est capable de reconnaître la bonne volonté de l'autre pour résoudre le différend. Dans cette perspective, l'OEA propose son soutien soit directement, soit par l'intermédiaire d'un État associé ou d'une organisation sous-régionale pour coopérer dans tous les domaines nécessaires à la résolution de ce litige. Il est indispensable de résoudre cette controverse sur la base du principe de bon voisinage et de l'amitié qui unit les deux pays et leurs dirigeants. Dans cet esprit, le dialogue et la compréhension mutuelle sont impératifs, permettant d'éviter toute tension et de travailler ensemble pour surmonter les désaccords. La situation actuelle n'est bénéfique pour aucune des deux parties. Il est donc primordial que les autorités dominicaines et haïtiennes se rencontrent dans les plus brefs délais pour initier un dialogue franc. Le secrétariat général de l'OEA et son secrétaire général se tiennent à la disposition des deux pays pour soutenir les efforts visant à trouver une solution mutuelle et avantageuse. OEA, mesdames et messieurs, qui fouillent bouchli dans le dossier Canal Sahara qui a construit sous rivière Massacre qui tabaille en République dominicaine, en pile problème. Pa bon côté payo en République dominicaine, mesdames et messieurs, divers producteurs œufs et bien un gros courri dans moment n'a parlé là puisque gen environ 44 millions œufs qui pas capable commercialiser et yo commencé gâter. Donc yo mandé aide yo banque agricole. Gen divers cartous qui répétaient dans la construction en dans pays d'Haïti, mesdames et messieurs, eh bien, Kasayo, qui pas vraiment isolé, puisque 60% construction, yo, c'est Haïtien qui te kon a fait yo. Bagay yo compliqué en République Dominicaine.
n'a quitté local là pour nous capable rentrer dans international là, mesdames et messieurs. Nous gagnons dans international là et mes président Joe Biden qui débarque dans Michigan côté li devancé Donald Trump côté là participer à ouvrier yo automobile qui a fait grève. Nous pourra suivre un reportage ensemble avec France 24. Oui, et vous l'avez entendu, le président des États-Unis qui fustige la finance, il nous fallait une illustration de plus de la valeur de cet état clé du Michigan et par là de la valeur du vote ouvrier dans un scrutin présidentiel, eh bien vous l'avez. En rejoignant les leaders syndicaux et en se rangeant ouvertement de leur côté, en dénonçant notamment les dividendes exorbitants, c'est vrai que se sont versés les actionnaires de Chrysler, de General Motors ou encore Ford ces dernières années, Joe Biden opère une manœuvre un peu désespérée dans le fond, puisque ce vote ouvrier a la mémoire longue et la rancune tenace. Qu'il s'agisse des métallos de Pennsylvanie, des mineurs du charbon du Kentucky ou comme aujourd'hui des ouvriers de l'automobile, ces ouvriers électeurs n'ont pas oublié Barack Obama qui a décrété la fin du charbon. Ils n'ont pas oublié non plus la crise de 2008 au cours de laquelle le vice-président Joe Biden à l'époque avait promis aux ouvriers de l'automobile que l'Amérique saurait se souvenir de leurs efforts. En réalité, dans leur majorité, les ouvriers américains ont déserté le Parti démocrate depuis les années 70, puis 80, par vagues générationnelles successives. Et les élections de 2016 et 2020 ont vu Donald Trump rafler l'essentiel de la mise populaire. Mais dans le Michigan, chaque voix compte et les barons de Wall Street pardonneront rapidement à Joe Biden sa petite infidélité. En attendant, Donald Trump s'est effectivement fait griller la politesse puisqu'il arrivera au chevet des grévistes avec 24 heures de retard sur son rival. Un hasard du calendrier, jure la Maison Blanche. Donald Trump, plutôt. Voilà, mesdames et messieurs, n'a quitté pays États-Unis, nous pral débarquer au Canada, côté chef, et mes présidents chambre commerce t'es obligé démissionner après un discours maladroit que il était arrivé fait. Après passage président eh bien ukrainien Volodymyr Zelensky que pifo canadien yo traité de nazi immédiatement que gen nazi qui passait par bon côté pas eh bien bagarre a pas différent en suivre un reportage avec France 24. Le président de la Chambre des communes du Canada a démissionné. Son tort, avoir rendu hommage à un vétéran ukrainien. Problème, l'ancien militaire avait combattu pour les nazis pendant la Seconde Guerre mondiale. That public recognition has caused pain to individuals and communities, including the Jewish community in Canada and around the world, in addition to survivors of Nazi atrocities in Poland, among other nations. I accept full responsibility for my actions. Anthony Rota était sous pression depuis le week-end dernier. Les partis d'opposition demandaient sa démission, tout comme les ténors de son propre clan, les libéraux du Premier ministre Justin Trudeau. Ce dernier avait parlé lundi d'un hommage inacceptable et profondément gênant. Le scandale a commencé la semaine dernière lorsque les parlementaires du Canada ont accueilli le président ukrainien Volodymyr Zelensky. Après son discours, Anthony Rota a mis en avant Yaroslav Nulka, âgé de 98 ans. L'homme est ovationné, décrit comme un héros canadien. Mais l'homme a servi dans une division Waffen-SS. Voilà, mesdames et messieurs, après passage à Volodymyr Zelensky, eh bien, président Chambre Commerce Canada, t'a fait un discours inacceptable et gênant. Selon déclaration, eh bien, premier ministre canadien, Justin Trudeau, n'a pas tourné dans les États-Unis ensemble avec Donald Trump, ancien président républicain. Mesdames et messieurs, on suit qui genre ça passé. Donald Trump est un fraudeur, et c'est un juge new-yorkais qui l'affirme. L'ancien président américain et son entreprise familiale auraient artificiellement gonflé la valeur de leurs revenus et de leurs biens pour obtenir des meilleurs prix pour leurs emprunts et leurs polices d'assurance, une surestimation chiffrée à plus de 2 milliards d'euros par an. Le mania de l'immobilier pourrait même perdre ses permis commerciaux et ne plus avoir le droit de faire des affaires sur la place de New York. C'est de loin le plus grand coup porté à l'image de riche homme d'affaires de Donald Trump.
car selon la Cour, la manière dont il a construit cette image est illégale, même si c'est cette image qu'il a vraiment propulsée à la Maison-Blanche. Fidèle à sa rhétorique, celui qui reste le mieux placé à l'investiture républicaine se dit victime d'un complot démocrate. C'est une guerre politique, une chasse aux sorcières d'un niveau jamais atteint auparavant. S'ils peuvent me faire ça, ils peuvent vous le faire. Également dans le viseur de la justice, des avocats de Trump, deux de ses fils et d'autres responsables de ces sociétés accusés d'inconséquence et même de frivolité dans leur défense. Grâce à ces décisions, la procureure de l'État de New York, Laetitia James, pourra plus facilement déterminer le montant des dommages que Donald Trump et ses co-accusés devront verser lors du procès qui doit s'ouvrir lundi prochain. Un procès de plus pour l'ancien président qui risque la prison dans le cadre de quatre autres affaires pénales. Sans incidence pour l'instant sur les intentions de vote, à un peu plus d'un an du scrutin présidentiel, Trump est donné gagnant contre Biden. Mesdames et messieurs, nous continuons. Nous parler en Afrique, cette fois-ci, Burkina Faso, qui a une situation qui a évolué la donne, qui est assez compliquée. Nous suivons un reportage. C'est l'est du Burkina Faso, entièrement sous le contrôle de groupes armés et de réseaux de trafiquants. Conséquence, l'armée béninoise a dû occuper ce poste pour combattre toute tentative d'incursion. On a beaucoup de détachements militaires implantés un peu partout pour quadriller notre zone d'action. C'est ce qui nous permet de sécuriser le parc Pendjari. Les groupes extrémistes utilisent le plus grand parc sauvage d'Afrique de l'Ouest, le WAP, composé du W, d'Arly et de la Pendjari, comme couloir de passage et comme lieu de refuge. Fermé aux touristes depuis début 2022, ce territoire un peu plus vaste que la Belgique est partagé entre le Bénin, le Burkina Faso et le Niger. Ils y font passer du carburant et du bétail, qui sont ensuite échangés contre des armes au Nigeria. Sur cette route en construction menant vers le Burkina Faso, plus personne ne peut passer, sous peine d'être abattu par l'armée béninoise. C'est les terroristes qui règnent à la frontière. Donc pour empêcher leur ravitaillement, tout a été bloqué. Il y a du carburant qui passe, ils ont du carburant dans leur moto et ils viennent nous harceler. Dans cette lutte contre le terrorisme, près de 3000 militaires sont déjà déployés au nord du Bénin. Et plus d'une dizaine de bases opérationnelles avancées et de positions fortifiées sont en train de sortir de terre. D'ici à deux ans, 60% des effectifs de l'armée y seront positionnés. Aujourd'hui, des hélicoptères Puma et des aéronefs surveillent particulièrement les zones sensibles le long de toutes les frontières du Bénin avec les pays voisins. Aux commandes de ces appareils, des pilotes sud-américains, aguerris à la lutte contre le narcotrafic. Une caméra de longue portée permet d'identifier la menace. Nous n'avons pas de missiles air-sol, mais nous avons formé des conneurs, des tireurs à bord qui nous permettent d'opérer, d'appuyer efficacement dès que besoin est sur le terrain. En mars dernier, une patrouille a neutralisé 7 combattants djihadistes affiliés à l'État islamique. Il tentait d'installer une cellule dans le parc W. Oui, c'est nouveau. C'est nouveau puisque nous pensions que c'était les gars du GSIM. Les cartes, les drapeaux islamistes. C'est ce qui nous ont montré que ce n'est pas seulement le GSIM. Il y a aussi d'autres groupes qui veulent, n'est-ce pas, s'installer pour mener leurs actions. Voilà, mesdames et messieurs, une situation de tension entre Burkina Faso, le Bénin, qui est vraiment difficile à contourner. Nous pourrons aller en Irak cette fois-ci, mesdames et messieurs, yon mariage, côté te gagnon incendie, plus passé yon centaine de moun, sorti blessé. Nous pourrons suivre en reportage. Une fête qui tourne au cauchemar. Dans la nuit, un incendie s'est déclaré dans cette salle de mariage d'Al Hamdaniya, à l'est de Mossoul, en Irak. Des feux d'artifice auraient été tirés à l'intérieur du bâtiment. Devant l'hôpital de cette petite bourgade chrétienne, un camion frigorifique, porte ouverte, charge des sacs mortuaires. De nombreuses personnes se sont rassemblées pour donner leur sang. Les morts se comptent par dizaines. Les témoins sont sous le choc.
La salle était bondée. On était 800, 900 au minimum. Il y a des cadavres sous les décombres, mais ils ont été brûlés. Nous, on a fait sortir tout le monde. Selon la défense civile, les panneaux en préfabriqué étaient hautement inflammables et ne respectaient pas les normes de sécurité. Une habitude en Irak dans les secteurs de la construction ou des transports. Après des années de conflits, les infrastructures sont exsangues et les incendies ou accidents de ce type sont fréquents. Voilà, mesdames et messieurs, c'est là nous prenons mettre bout, nous checker pour nous. Est-ce que nous sommes capables de jouer dans le football là pour vous? Parce que c'est vraiment important. Et en Irak, côté, eh bien, situation lui-même est compliquée. Plus passer 100 monde, mesdames et messieurs, qui arrivaient, sortis blessés, gagnaient plus passer une dizaine de morts, puisque ils ont tiré feu d'artifice en dans Yonkai. Donc c'est vraiment de l'imprudence qui t'a fait dans le mariage si là. Eh bien, nous pourrons aller dans le football là, mesdames et messieurs, nous pourrons aller directement dans la Liga, côté Atlético Madrid, en fait, Athletic Club, qui t'a joué ensemble avec Getafe, match a fini nul. Real Madrid t'a affronté Las Palmas, Real Madrid bat 2-0. Villarreal tombé devant Girona 2-1. Et se disent Rayo Vallecano, match a c'était un match nul. Et bien Real Sociedad arrivé bat Valencia 1-0. Nap tombé dans la Serie A en Italie. Cagliari tombé devant Milan AC 3-1. Eh bien, Empoli lui-même, il bat 1-0. Salernitana, nous gagnons Atalanta de Bergame qui bat Verona 1-0. Nous gagnons Inter de Milan qui tombe devant Sassuolo 2-1. Nous gagnons Torino qui tombe devant Lazio 2-0. Nous gagnons Udinese qui tombe devant Napoli 4-1. Mesdames et messieurs, nous pourrons aller dans l'Eurodivision. Gagné Ga Eagles qui tombe devant PSV 3-0. Et nous gagné Vitesse qui tombe devant Twente 1-0. Nous pourrons aller dans Brésil, Série A. Gagné Coritibania qui pral gagner pour jouer ensemble avec Sao Paulo. Comme Mbola, nous gagnons Justicia qui pral jouer ensemble avec LDU. Mesdames et messieurs, c'est ensemble de résultats ça yo que nous portons pour vous. Nous pral tomber, mesdames et messieurs, dans Europa League. Gagner Chelsea qui bat Brighton 1-0. Gagner Fulham qui bat Norwich 2-1. Gagner West Ham qui bat Lincoln 1-0. Gagner Liverpool qui bat Leicester 3-1. Newcastle, eh bien, qui bat Manchester City 1-0. Manchester City n'a pas joué, qui c'est champion en titre là. Nous mettons bout là dans la rubrique nous aujourd'hui. Rendez-vous cassé dans mi-temps journée pour reste information. D'ici là, restez bénis et protégez-vous. Bye bye, à la prochaine.